Ce sont des oiseaux qui ont une nette habitude de chasser le lièvre, le lapin et le faisan. Alors, exceptionnellement, on vous les présente aujourd'hui dans la fête de la chasse, mais en réalité, c'est quand même des oiseaux qui tous les samedis vont chasser le lapin dans la région de Seine-et-Marne. On est à Montereau, on a une chasse sur la zone industrielle de Montereau. La société dont je représente comme président, c'est la société La Pierre aux Lièvres. C'est une société que vous retrouverez sur le site. Alors, j'en ai pas parlé à 14h, mais vous allez sur www.lapierreauxlièvres.com, La Pierre aux Lièvres, ou vous tapez tout simplement Fauconnerie Montrelaise et vous verrez le site de La Pierre aux Lièvres. Alors, sur le site de La Pierre aux Lièvres, vous verrez toutes les actions de chasse. Vous verrez notamment, effectivement, la journée de Chablis. Vous verrez aussi ce qu'on fait avec les jeunes enfants. On va à la pêche, je fais chair à la mouche, on fait plein d'activités. Mais essentiellement la fauconnerie. Puis bien sûr, on chasse traditionnellement au fusil. Il n'y a pas de raison, l'oiseau, que ce soit une chasse à l'oiseau, ou une chasse au fusil, ou une chasse à l'arc, il n'y a pas de mauvaise chasse, il y a des chasses bien pratiquées. Donc l'oiseau va chasser le lapin, le lièvre et le faisan, comme je vous le répète, mais c'est essentiellement pour lui sa nature, sa première nature. En volerie, il va du point au point, donc on est bien d'accord, il y a une nuance entre volerie et fauconnerie de chasse. Alors en réalité, c'est un oiseau de bas vol. Vous avez les oiseaux de haut vol, les oiseaux de bas vol. On va prendre notre temps, hein. On va prendre vraiment notre temps aujourd'hui, on va pas se presser. Donc toutes les informations que je vous ai données, c'est le dernier cours ce soir. Vous avez le haut vol et le bas vol. Le bas vol, c'est un oiseau de bas vol. 3 mètres au-dessus du sol, ça se perche sur un arbre. Et ça va chasser le lapin et le lièvre à court. À cri de temps en temps, mais surtout à court. Donc quand je dis à court, en vol. Et puis vous avez la chasse du haut vol. Faucon. Ah, il est beau votre faucon. Non, non. C'est une buzzarie, c'est du bas vol. Le faucon, sac, gerfaut, vous avez le pèlerin, c'est du haut vol. C'est pas la même chose. Le haut vol, ça se passe là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Vous partez avec votre chien. Alors on est en chasse, hein. On n'est pas en volerie. Hein. Vous partez avec votre chien. Votre chien va avoir une nette tendance à vouloir faire décoller, ce qui est normal, les compagnies de perdreaux. On va chasser le perdreau. On peut chasser le pigeon, on peut chasser le faisan, mais on va chasser le perdreau. Donc on va commencer en grande quête. Le perdreau va décoller. Le faucon, il tourne en rond. Vous le voyez, c'est un petit point. Mais il est au-dessus de vous. Le chien va débusquer, il va faire décoller la perdrix. Le faucon va descendre 120-130 km/h. C'est énorme. Et ça fait splash en plein air. Ça ne fait pas ça au sol. 130 km au sol, c'est des miettes. Cet oiseau, lui, comme il vole à 3 ou 4 mètres au-dessus du sol, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va accrocher le lapin au sol. Et il y a des gens qui me disent, mais il va le ramener. Non, non. Il tue, il prend au cervical. Alors oui, on est chasseur, donc il va falloir accepter les termes. Il prend au cervical. 87 kg au centimètre carré. C'est énorme. Le Grand-Duc, c'est 300. L'Aigle Royal, c'est 450, 500, des fois au-dessus. Kilo au centimètre carré. Vous imaginez, 1 cm sur 1 cm, 87 kg. C'est énorme. Donc, là, je parle, elle est détendue, mais de temps en temps, elle serre. Et ce matin, à la messe, elle m'a serré 2-3 fois, et là, elle a rouspété un peu. Et c'est vrai qu'on sent vraiment la pression. Donc voilà, le haut vol, ça se passe là-haut, sur pigeon, perdrix, faisan. Le bas vol, ça se passe à 3 mètres au-dessus du sol, et ça va débusquer lièvre, lapin, faisan. Perdrix, non, vous avez vite compris, parce que c'est lent. C'est puissant, mais c'est lent. Le haut vol, c'est rapide, mais c'est pas puissant. Voilà, deux modes de chasse. Alors, le mode de chasse du bas vol, c'est un mode de chasse un peu comme les chasseurs traditionnels pour entrer en disant « Je prends mon fusil, j'appuie ou j'appuie pas sur la détente. » Eh bien, l'oiseau, il est au point, les jets sont bloqués, j'identifie mon gibier, lui, il l'a identifié avant vous. Vous lâchez votre oiseau, l'oiseau va partir au cul du lièvre ou du lapin et il va faire une course-poursuite. Vous avez, ça peut être rapide, 30 secondes, une minute, de grande émotion, c'est l'animal contre l'animal. Quand vous avez lâché votre balle, elle est lâchée. Vous avez mis une mire, vous avez mis le chevreuil dans la mire, ça tombe. Par définition, ça doit tomber. L'oiseau, c'est pas gagné. Le lapin, il est rusé, il va faire le zig, il va faire le zag, il rentre au trou, hop, votre oiseau se perche,
il revient au point parce qu'il a faim. Il ne revient pas au point pour vous dire, patron, vous me ramenez à la chasse. Non, non, ce n'est pas vrai. Il va revenir au point parce qu'il a faim. Donc les oiseaux, la veille, je vous explique tout. La veille de la chasse, le vendredi, on ne leur donne pas à manger. Waouh, dur. Pour un oiseau qui a l'habitude de manger 4 poussins par jour, ne pas lui donner le manger le vendredi pour chasser le samedi, je vous garantis que le samedi, quand vous rentrez dans la volière, vous vous protégez parce qu'il va vous taper dessus en disant « donne-moi à manger ». Ah oui, c'est vous qui vous donnez à manger au quotidien. Donc ils sont pesés tous les jours. Et ils sont pesés à partir du 1er août et jusqu'à fin mars. C'est-à-dire que tous les jours, on les pèse. Il y a des gens qui disent « vous faites ça ?» Oui, je fais ça tous les jours. On les pèse et on leur donne à manger en fonction du poids. Et bien sûr, quand on va à la chasse, la veille, on ne leur donne pas à manger. Voilà, vous savez grossièrement à peu près tout sur le haut vol, le bas vol, ces oiseaux, la forme qui fait, je vais terminer là-dessus car on va voler, la forme qui fait 1 kg, donc la forme c'est la pommette, de la buse de Harris, oiseau d'Amérique du Sud, c'est pas une buse commune, hein. Rien à voir avec notre buse qu'on a l'habitude de voir, c'est un oiseau américain qui est né en Belgique, eh oui, comme quoi, en Europe. Il y a des oiseaux d'Amérique qui naissent en Belgique. Il n'y a pas de raison, voilà. Alors, elle est née en Belgique flamande. Et puis, mon petit tiercelet, alors je vais vous expliquer rapidement le tiercelet, Pyrrhus, il est né en Wallonie. Lui me comprend, je parle en français. Elle ne comprend pas, mais je lui ai nourri, c'est le principal. Donc, le tiercelet, 700 grammes, 1 kg la forme, 700 grammes le tiercelet. Tiercelet, un tiers. C'est très facile, ça va rester à 700 grammes jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça vole plus vite, mais c'est moins puissant. Ça fait 60-70 kg au centimètre carré de pression. C'est lui qui rabat dans la nature, et c'est madame qui tue. Donc voilà, alors on chasse avec les deux oiseaux, on fait toujours très attention, on lâche chacun notre oiseau, on ne lâche pas les oiseaux en même temps, parce que sur une prise de lapin, ça pourrait faire des dégâts. La femelle arrive, elle prend le tiercelet par le dos, hop, elle tue le tiercelet. Voilà, donc les oiseaux sont plus ou moins malléables. Lui, il est né, il n'a vu que nous. C'est donc ce qu'on appelle un imprégné, élevé à la main. Elle a été élevée par les parents. C'est une sueuse. Elle n'a pas le même caractère. Elle est beaucoup plus dangereuse. Et on s'en méfie. Donc il n'y a que moi qui la porte. Mon copain, Yann, mon ami Yann, porte le tiercelet. C'est plus facile. Il a 6 mois. Je pense qu'il sera apte à faire ses premiers lapins. Voilà. C'était pour vous expliquer, pour vous introduire. On va encore prendre son temps. On va essayer de vous montrer un peu ce que c'est qu'une photographie de chasse. Et on va vous faire quelques rappels au point. On va commencer au rappel au point. Alors, si elle s'en va parce qu'elle n'est pas habituée, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, je vous demande de ne pas faire beaucoup de gestes. Je cherche les chiens, il y en a. C'est bon. Ils ne bougent pas, c'est bien. Ah oui, ça a peur du chien. C'est comme ça, sauf du mien, parce qu'elle est habituée à vivre avec les miens. Donc, vous avez bien compris, pas de gestes. Si elle se pose à côté de vous, vous ne bougez pas. En toute rigueur, elle ne va pas vous poser sur la tête. Ce n'est pas des oiseaux de démonstration publique. Mais on ne sait jamais. Surtout, vous n'essayez pas de faire ça. C'est là qu'elle va serrer. Elle ne va pas faire un brushing. On va éviter. Allez, Pyrrhus. Eera. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va rapprocher. On va lui montrer qu'on est. Ce ne sont pas des oiseaux de cirque. Hein. C'est des oiseaux de chasse. Je vous dis encore, c'est pas facile. Il faut qu'elle apprenne. Voilà. Voilà, ça y est, elle a compris. Allez, hop. C'est ce qu'on appelle le rappel au point. Pardon, excusez-moi. Allez. Alors, ça mange du poussin, congelé, pas vivant, surtout pas, on n'a pas le droit, ça serait dommage, et puis ça serait pas bien. Ça mange, viens là-bas, allez, tape sur ton poing, allez, là. Oh, sur la tête, non, quand même pas, allez, là.
Allez, tape sur son poing. Allez. Oui. Allez. Vous voyez, hein, comme quoi, le cirque, ça avait déjà démarré. Hein. Allez. Allez, voilà. Ça, c'est très bien. Pas de bruit, impeccable, détendu, pourvu que ça dure. Oui. Elle le cherche. Viens, ma grande. Hop. Allez, parti, Yann. Oh, tu vas y avoir droit. Non, non. Allez. Donc on imagine bien quand même le nombre de viandes. Voilà, elle revient bien. Formidable. Ouais, bah écoute, essaye de me reprocher là, de me rapprocher. Et puis après on va faire une chasse au traîneau. Donc on part le matin avec notre oiseau, notre chien, un ou deux furets, parce qu'on va chasser au furet aussi. Hein. C'est une activité pour sortir le lapin qui est le plus intéressant. Et puis l'oiseau, on l'a au point. Voilà. Tu viens, puis allez, Héra. 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 Là, voilà. Ouais, c'est bien. Allez. Donc on part le matin et on met le furet au trou. Vous imaginez, pas de bruit. Pour ceux qui connaissent la chasse au furet au fusil, eh ben, c'est le furet. On glisse au trou. On a identifié le trou via une présence de lapin. Et puis, pour ceux qui ont des fusils, bien sûr, dès que le furet va pousser le lapin, eh ben, le lapin, on va essayer de le faire trébucher avec du plomb. Eh bien nous, on le fait trébucher avec nos oiseaux. Et les oiseaux, on pourrait dire, mais attendez, l'oiseau, il va tuer le furet. Il risque de tuer le furet. Ben non, parce qu'il a compris rapidement. Alors au début, il y a peut-être des accidents, hein, ça arrive. Hein. Mais rapidement, il a compris, l'oiseau, que le furet était un auxiliaire de chasse. Et il va tuer l'auxiliaire de chasse qui va lui sortir le lapin, donc la nourriture. Donc on lui a appris aussi à vivre avec le furet. Donc on leur fait montrer le furet. Donc on va essayer, j'espère, de vous montrer. Alors je suis un peu loin, mais ça marchera peut-être. De vous montrer ce que c'est qu'un entraînement au traîneau. Nous sommes sur, comme une course de lévrier, vous avez un lièvre qui court sur la rague, et bien là, nous, on a un lapin qui va courir sur un fil, et on va essayer de faire comprendre à l'oiseau. Alors c'est bien au début, puis après, quand l'oiseau a 5, 6 ans, 7 ans de chasse, il dit, maintenant, tu ne m'auras pas, patron, avec ta peau de lapin, je ne m'irai pas dessus, parce que ça ne m'intéresse pas. Et bien là encore, on a de la chance, parce qu'elle n'a que 2 ans, et j'espère qu'elle va vous l'attaquer de cette longueur. Alors quand tu veux, Yann, tu pars. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Hop. Voyez, attaque. Tac, tac, tac. Hop, voilà, ça y est, c'est parti. Eh bien, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas tous les jours. Là, nous, on le fait bien. Voilà, alors on va vous montrer maintenant comment... Alors là, vous imaginez, vous êtes en action de chasse. L'oiseau a fait prise. En général, l'oiseau fait prise dans les 10-15 mètres. Là, on est loin, on est plus de 10-15 mètres. Vous imaginez bien qu'en action de chasse, il va bien falloir séparer le lapin des cerfs. Allez mettre vos mains sous 87 kg de pression au centimètre carré. Je vous le défie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Yann va vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer, il va vous le montrer. Voilà, on prend un drap. Voilà. Bon, bah là, lâche. Hop là, ne veut pas le lâcher, Yann, tu vois. Il va falloir que tu la récompenses. On cache le lapin. Et là, se dit, qu'est-ce que c'est? Et on lui présente un morceau de viande. Et par définition, on essaye, tant bien que mal, de décrocher les 87 kilos de cerf sur le lapin. Alors, au préalable, on n'aura pas laissé le lapin souffrir. Vous avez bien compris, on a un couteau de chasse. Les sensibilités s'abstenir. Il faut qu'on serre l'animal. Donc le lapin ou le lièvre, interdiction de le faire souffrir. Vous avez compris. On va recommencer? On s'en fait un petit deuxième? Et voilà. Donc vous imaginez bien, c'est une chasse sur 10-15 mètres. Là, on est à plus de 50 mètres. C'est facile. C'est un oiseau qui prend son temps. Il sait que ça va pouvoir ne pas lui échapper. Dans la nature, quand ça fait un zig et un zag,
souvent les ailes frottent le long des ronces ou des branches. C'est pas toujours facile. Allez, vas-y, lâche. Allez, elle l'a vu. Voilà, viens ma grande. Hop là. Après, on vous fera une démonstration avec Pyrrhus et vous verrez la différence entre un oiseau qui est habitué et un oiseau qu'on affecte. On a du temps. Allez, vas-y, Yann. Allez, hop, allez, attaque, allez, hop, voilà. Allez, reprise. Donc voilà, nous sommes à deux lapins, un 100% de réussite. Voilà, on a fait nos oiseaux, vous pouvez l'applaudir, elle le mérite, la cocotte. Et là, elle va tirer dessus, bien sûr, elle va dire, c'est à moi, te le laisse pas. Voilà, elle tire dessus, hein, regardez, hein. Elle dit, non, hein. Elle sait qu'il y a Pyrrhus à côté, le petit mâle, et puis elle veut surtout pas lui laisser. Hein. Voilà, on recommence. On cache la vue de l'oiseau. On lui fait une présentation d'une récompense. Tout est sur la récompense. Tout fonctionne. Vous voyez, elle veut. Hein. Voilà. Alors, cet oiseau a 2 ans. Ses premiers lièvres, elle en a fait un de l'année dernière. Elle a fait un lièvre de 4 kilos. Elle a fait 2 ou 3 lapins, 2 ou 3 faisans. Et elle démarre, c'est-à-dire que ça sera un oiseau accompli. Cette saison. Donc il faut entre 2 et 3 ans pour affléter à la chasse ce type d'oiseau. Alors je vais redescendre. Bon, ça va. Alors, entre le fusil qui fait beaucoup de bruit et l'oiseau qui est une chasse discrète, vous savez, le samedi, c'est le bon air, c'est pas de bruit, c'est un oiseau qui communique avec soi-même, c'est un grand planeur, vous avez vu, hein, 4 coups d'aile, un grand vol, et je plane. On imagine bien quand le lièvre part en grande plaine, la facilité que l'oiseau va avoir. C'est pas la vitesse qu'il aura à l'usure. Le lapin, déjà un gibier beaucoup plus difficile. Allez. Allez. Voilà. Là, à nous le fait bien. Formidable. J'adore. Le faisan, elle va le prendre à l'arrêt du chien. Le chien s'arrête, pas de bruit, l'oiseau a déjà vu. Vous n'avez pas vu le faisan, il l'a vu, ou elle l'a vu. Le chien sent, l'oiseau voit, l'oiseau n'entend pas, très peu, les ultrasons. L'oiseau a vu, le chien a senti, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien senti, vous n'avez rien vu. Par contre, je peux vous garantir, la passion, c'est votre cœur. Et votre cœur, il cogne. Parce que vous êtes passionné et vous aimez votre chasse. Et là, je peux vous garantir, au niveau du cœur, le palpitant, il cogne. Et quand vous allez lâcher la détente, vous allez appuyer sur la détente, vous allez lâcher léger, le chien va partir, l'oiseau va partir. Et là, je peux vous garantir, c'est 30 secondes de rush. Mais de rush intensif. Alors, on va vous faire montrer qu'un oiseau peut prendre en hauteur. On va voir. Si Madame Hera veut bien se donner de prendre un faisan en hauteur, après qu'elle ait pris deux lapins. Tu viens, ma fille? Allez. Hop. Hop. Alors, on imagine bien qu'un faisan, quand il décolle, il fait du bruit. Je peux vous garantir, c'est une masse, ça fait du bruit. Et l'oiseau, il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va monter au même titre que le faisan, et puis il va essayer de l'accrocher avant qu'il casse son vol. Parce que le faisan, il monte, il casse son vol, et là, c'est une torpille, il prend son temps. Mais quand il va commencer à accélérer, je peux vous garantir que ça va aller très vite.
Et l'oiseau, qui est économe de son énergie, il n'y a pas de raison, il va se dire qu'au bout de 20-30 mètres de vol, non, c'est pas la peine, je vais m'user, je vais dépenser de l'énergie qui ne sert à rien. Donc il va se percher, il va dire non patron, j'y vais plus, c'est trop compliqué. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. On est un petit peu goûté, mais c'est comme ça que ça se passe avec le faisan. Allez, on réessaye. Allez, Ira. Voilà. Ah bah le loup aujourd'hui. Eh ben c'est pas grave. T'es impressionné, hein. Alors on va calmer le jeu avec Ira parce que je commence. Je vais vous montrer qu'elle a le jabot, comme on dit. Le jabot qui est plein. On va la rappeler au coin, à côté de vous, pour vous faire plaisir. Allez, ma vieille. Allez. Allez. Hop là. Tour de piste. Elle revient. Ah non, elle va se reposer. C'est pas grave. Ça, c'est le spectacle. T'as le droit. Vas-y. Oui, virus, c'est avec ton tour. On va te nourrir. Alors, lequel je choisis? Ça s'appelle un refus. Ça s'appelle un refus, Yann. T'as compris, elle commence à être un peu forte. Et elle se dit, maintenant, ça commence à faire. Alors, vous imaginez bien que quand on chasse une journée avec un oiseau comme ça, on n'a pas intérêt à trop la nourrir, parce que notre chasse peut s'arrêter à midi. Voilà. Donc, on essaye de la nourrir que très parcimonieusement. Un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Là, on a des gros morceaux dans la main. C'est pour les intéresser. Mais en réalité, faut qu'on chasse toute la journée. Donc voilà. Alors, quand on est à 2 poussins et demi, alors c'est des poussins, bien sûr, 2 poussins et demi dans la journée, le jabot est plein, on ne veut plus voler. Eh bien, on va la bloquer un petit peu, on va prendre un peu de virus. Vous en voulez encore? Vous voulez voir encore les oiseaux voler? Allez, on va se faire plaisir. Alors, Pipi, virus, c'est un gamin qui a 6 mois, et on est en plein cours d'affêtage. Alors, on va vous montrer, il n'y a pas la filière, je pense pas. Eh bien, on va essayer de lui faire comprendre à notre gamin que on est dans le monde réel, il apprend. On va essayer de le faire voler sur le lapin. Je vais attendre que Yann fixe Ira. Alors on chasse pour dire, on chasse sur la confluence Montreux, je pense que je vous l'avais dit, dans le 77. Sur des zones industrielles, on chasse là où on ne peut pas amener le fusil, ce qui est tout à fait normal. Les industriels, les communes nous appellent pour qu'on fasse évoluer nos oiseaux dans les lieux les plus insolites. Vous imaginez bien qu'une zone industrielle, ça va, on a vu pire. Donc oui, les cimetières, j'ai un monsieur qui me dit le cimetière, oui, oui, les cimetières. Et donc, le lapin prolifère dans les zones où il n'est pas chassé au fusil. Nous, les fauconniers, on arrive et bien souvent, on est sollicité par les communes pour pouvoir intervenir pour la régulation. Alors, quand je dis régulation, on fait un prélèvement par an, mais bien souvent, on décantonne. C'est le mot, décantonner. L'effarouchement, comme beaucoup de gens parlent, c'est du décantonnement, c'est-à-dire on pousse les animaux à l'extérieur d'une zone bien précise. Mais souvent, quand l'oiseau, le rapace, n'est plus soumis à faire des vols au-dessus du nuisible ou de l'animal à réguler, l'animal revient naturellement. Donc c'est du longue haleine. Mais aussi on chasse dans les sociétés de chasse, et notamment les oiseaux ont cette chance de chasser sur 400 hectares aujourd'hui. Donc, ils ont une chasse phénoménale. Voilà, Pyrrhus.